Je suis heureuse que vous soyez ici. Sono felice che siate qui. Oui, parce qu'il fait une si belle journée aujourd'hui. Perché oggi è una giornata così bella. Che peut-être beaucoup de personnes sont dit ah, maintenant qu'il fait beau, on en profite. E magari molte persone hanno detto visto che fa bello ne approfittiamo. Alors si vous êtes venus. Quindi se siete venuti. C'est parce que ça devait vraiment vous intéresser. Vuol dire che vi interessava veramente. Alors je vais vous parler un peu du langage de nos malaises et de nos maladies. E quindi vi parlerò un po' del linguaggio dei nostri malesseri, delle nostre malattie. À peu près comme 28 ans passés, più o meno 28 anni fa, je travaillais dans un laboratoire. Io lavoravo in un laboratorio de microbiologie. Di microbiologia. Et à ce moment-là, j'avais très mal au dos. E in quel periodo avevo molto mal di schiena. Particulièrement dans la région soprattutto nella zona de la L5, della L5 lombare 5, la L5 e la S1 e la S1, la sacrale 1. J'ai consulté. Oh, sono andata a trovare e selon le médecin, un medico che secondo lui j'avais la cinquième lombaire déviée. Mi ha detto che avevo la quinta lombare che era deviata. Et ce qu'il me proposait, e mi proponeva, c'était une intervention chirurgicale, di fare un intervento chirurgico, pour me la replacer, per rimetterla a posto, ou des traitements de physiothérapie, oppure dei trattamenti di fisioterapia. Alors j'ai préféré les traitements de physiothérapie. Io ho preferito i trattamenti di fisioterapia. J'avais un peu peur qu'on me joue dans la colonne vertébrale. E mi faceva un po' paura che andassero a toccarmi la colonna vertebrale. Mais je continuais à avoir mal. Però continuavo a aver male. Puis un jour, un giorno, je suis allée faire un petit workshop. Sono andata a fare un piccolo workshop d'un après-midi. Di un pomeriggio. Et l'animateur. E l'animatore. Il utilisait une petite brochure de quelques pages. Usava una piccola dispensa di qualche pagina. De Louise Hay. Di Louise Hay. E che c'était Heal Your Body. Che si intitolava guarire il tuo corpo, guarisci il tuo corpo. E puis, moi je lui ai parlé de mes maux de dos. Io le ho parlato dei miei mal di schiena. E il m'avait demandé. E lui mi aveva chiesto. Qu'est-ce que tu portes sur ton dos? Cos'è che porti sulla tua schiena? E j'ai réfléchi. E allora ho riflettuto. Et je me suis rendu compte e mi sono resa conto que j'avais tendance à prendre les problèmes des autres sur mon dos. Che avevo tendenza a caricarmi i problemi degli altri su di me, sulla mia schiena. Problème de ma mère, problème de mes amis. I problemi di mia madre, dei miei amici. Et après avoir pris cette prise de conscience, e dopo aver fatto questa presa di coscienza, j'ai dit bon, j'ai compris. Ho detto va bene, ho capito. À partir de maintenant, a partire da ora, j'aurai le cœur, avrò il cuore, grand comme un autocar, grande come un autobus. Mais au premier stop, ma alla prima fermata, tout le monde descend. Tutti scendono. Après, j'ai observé, e poi ho osservato, que je n'avais plus mal au dos, che non avevo più mal di schiena. Aujourd'hui, oggi, bien des années après, molti anni dopo, je sais que en fait, c'était plus subtil que ça, mon mal de dos. So che in effetti il mio mal di schiena era più sottile di così. Mais déjà cette première prise de conscience. Però già quella prima presa di coscienza m'avait aidé. Mi aveva aiutata. C'était la première fois. Era la prima volta que je réalisais che mi rendevo conto le lien del legame qu'il y avait entre nos pensées, che c'è fra i nostri pensieri e ce qu'on peut ressentir dans notre corps. E quello che possiamo sentire nel nostro corpo. Et j'ai voulu en savoir plus. E ho voluto saperne di più. À tel point qu'à un moment donné, a un punto tale che a un certo punto, eh bien, je me suis dit, mi sono detta, mais qu'est-ce que je fais ici en microbiologie? Che cosa sto facendo qui in microbiologia? Eh bien, tout ce qu'on fait,
C'est de soulager des personnes. Tutto quello che facciamo è dare sollievo alle persone. Mais on les aide pas à comprendre. Però non li aiutiamo a capire la cause. La causa de leur problème. Dei loro problemi. Alors, je suis partie dans cette longue quête. E allora sono partita in questa lunga ricerca. Pour découvrir. Per scoprire. Justement. Proprio. La cause. La causa. De nos malaises et de nos maladies. Dei nostri malesseri e delle nostre malattie. Avec cette étude que j'ai fait, con questo studio che ho fatto, eh bien, j'ai commencé par moi-même, ho iniziato da me stessa à me poser des questions, a farmi delle domande par rapport à ce que je vivais, rispetto a quello che stavo vivendo, pour comprendre la cause ce que je vivais. Per capire la causa di quello che vivevo. Mais vous savez, s'il y a quelque chose d'écrit sur ce verre, une étiquette. Ma se per esempio ci fosse un'etichetta o qualcosa scritto su questo bicchiere? Et j'ai le verre sur le nez. E io ho il bicchiere sul naso. C'est difficile de savoir qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur l'étiquette. È difficile descrivere che cosa c'è scritto sull'etichetta. Si je prends la bouteille par exemple. Per esempio se prendo la bottiglia. Si je veux lire qu'est-ce qu'il y a d'écrit. Se voglio leggere cosa c'è scritto. Je le vois pas. Non vedo. Ça me prend du recul. Mi devo metterla più distante. Et là, je peux lire. E allora posso leggere. C'est la même chose très souvent par rapport à nos malaises et nos maladies. E spesso è la stessa cosa per quanto riguarda i nostri malesseri e le nostre malattie. Parfois on a le nez sur la bouteille. A volte abbiamo il naso sulla bottiglia. Et on comprend pas. E non capiamo. J'ai donc exploré ce domaine. E quindi sono andata a esplorare questo campo. Puis j'ai fait des formations. Ho fatto della formazione. Et après j'ai commencé à avoir des personnes en thérapie. E poi ho iniziato a ricevere persone in terapia. Et je les ai interrogées. E le interrogavo. Et ma façon de m'y prendre. E il modo in cui facevo. Par exemple. Ad esempio, se une personne venait me voir pour une leucémie. Se qualcuno veniva da me per una leucemia. Je me demandais, io mi chiedevo, mais quel système ça concerne? Che qual è il sistema che riguarda? Ça concerne le système lymphatique. Interessa il sistema linfatico. Qu'est-ce qu'on fait avec le système lymphatique? À quoi il sert notre système lymphatique? Cosa facciamo col sistema linfatico? A cosa serve? Il sert à nous défendre. Serve a difenderci. Alors, j'interrogeais la personne. E allora interrogavo la persona per sapere se aveva eu le sentiment, se aveva avuto il sentimento d'avoir à se battre, di dover lottare avant d'avoir développé cette leucémie, prima di sviluppare quella leucemia. Bien sûr, au début, all'inizio naturalmente, de mes recherches, all'inizio delle mie ricerche, elle n'était pas aussi précise qu'aujourd'hui. Non ero così precisa come oggi. Mais elle donnait quand même d'excellents résultats. Però c'erano comunque dei risultati eccellenti. Si je reviens à ce problème, se ritorno a questo problema de la L5, della L5, la S1, est-ce qu'il y en a qui souffrent dans cette région? Qualcuno di voi soffre in questa zona della schiena? Levez la main. Alzate la mano. Ah, j'en ai plusieurs. Ce n'è diversi. Est-ce que vous souffrez à juste à la L5 ou à L5S1? Soffrite solo alla L5 oppure a tutte e due, L5 e S1? Est-ce qu'il y a... Levez la main ceux que c'est les deux. L5 S1. Alzino la mano chi ha tutte e due. Bon, ok, alors j'ai trois personnes, on va prendre tre o quattro persone. Alors, quelles sont les questions qu'on va se poser? Quali saranno le domande che bisogna porsi? La région lombaire. La regione lombare, donc ça peut être L1, L2, L3, L4, L5, che quindi può essere L1, L2, L3, L4 e L5, vont concerner, riguarda nos besoins de base. I nostri bisogni di base, i bisogni primari. Donc quand on a mal dans cette région, quindi quando si ha male in questa zona, on peut se demander, ci si può chiedere, est-ce que je serais préoccupée? Può essere che io sia preoccupato par rapport à mes besoins de base. Per quanto riguarda i miei bisogni di base. Je suis peut-être vendeur, magari sono un venditore et je trou-
Et en ce moment, les ventes ont baissé. E in questo momento le vendite sono diminuite. Et je suis préoccupée. E sono preoccupato. J'ai peur de perdre mon emploi. Ho paura di perdere il lavoro. Et je peux avoir mal dans la région lombaire. E posso avere male in quella, nella regione lombare. La S1. La S1 ça concerne la région sacrée. Riguarda la regione del sacro. La région sacrée, la regione del sacro, qui contient le sacrum, che contiene appunto il sacro, ça concerne, riguarda, c'est la zone de la créativité, la zona della creatività, par rapport au couple, per quanto riguarda la coppia. La région sacrée concerne le couple. E quindi riguarda la coppia, la regione del sacro. Le relations de couple. Le relazioni di coppia. E se on a deux clés. Qui ci sono due chiavi. On sait que ça concerne les problèmes financiers. Sappiamo che riguarda i problemi finanziari. Et ça concerne le couple. E poi riguarda anche la coppia. J'ai deux clés. Ho due chiavi. Mais d'une personne à l'autre. Ma da una persona all'altra. La raison peut être très différente. Il motivo può essere molto diverso. Si je reviens, se io ritorno a ce que je vivais à l'époque, a quello che io vivevo all'epoca, à cette époque, a quell'epoca, eh bien, je songeais à quitter mon emploi, io volevo lasciare il mio lavoro, pour faire autre chose, per fare altro. Mais mon conjoint n'était pas d'accord. Però mio marito non era d'accordo. Donc une partie de moi voulait changer d'emploi. Quindi una parte di me voleva cambiare lavoro. Mais je vivais toutes les insécurités de mon mari. Però vivevo tutte le insicurezze di mio marito. J'en vois une qui me fait un grand sourire. Vedo una persona che mi fa un grande sorriso. Et que je pense que ça lui parle. E penso che questo le dica qualcosa. Pour une autre personne. Per un'altra persona. Qui a mal. Che ha male a la L5S1 alla L5S1 elle peut vivre des préoccupations possono esserci delle preoccupazioni che vive de la manière dont son mari dépense l'argent nel riguardo a come il marito magari spende i soldi parce que peut-être qu'il peut s'endetter perché magari fa dei debiti et la conjointe e la moglie elle se sent insécure si sente insicura par rapport à la manière dont son mari va dépenser l'argent riguardo al fatto a come il marito spende i soldi pour une autre per un'altra qualcun altro eh bien elle rêve d'avoir une maison magari sogna di avere una casa elle rêve de s'acheter une maison sogna di comprarsi una casa et son conjoint e il marito lui répète le ripete continuamente on n'aura jamais les moyens non avremo mai i mezzi on n'a pas les moyens non abbiamo i mezzi alors vous voyez c'est comme si son rêve vedete come se il suo sogno par rapport à l'argent riguardo i soldi elle ne peut pas le réaliser non potesse realizzarlo parce qu'elle n'a pas l'appui de son conjoint perché non ha l'appoggio di suo marito ou parce que lui est dans ses peurs o perché lui è nelle sue paure ou dans ses insécurités o nelle sue insicurezze. Vous voyez que la métamédecine vedete che la metamedicina contrairement a des approches peut-être similaires. Contrariamente ad approcci magari simili, n'est pas une approche déductive. Non è un approccio deduttivo. On ne dira pas tu as mal au dos. Non si dirà hai mal di schiena. Dans cette région. In quella regione. Pour telle raison. Per questo motivo. Si je le faisais, se io lo facessi, je ferais une approche déductive. Userei un approccio deduttivo. Je tire une conclusion, une déduction. Tiro una conclusione, faccio una deduzione. Par rapport à ce que la personne me dit. Riguardo quello che mi dice la persona. La métamédecine est une approche inductive. Ma la metamedicina è un approccio induttivo. Qui utilise des clés. Che usa delle chiavi. Mais ce qui l'intéresse. Ma quello che interessa. C'est la personne. È la persona.
et son histoire. E la sua storia. Vous savez, sapete, on décide, noi decidiamo et on fait arriver les événements. E facciamo arrivare gli eventi. Et c'est exactement ça. Ed è proprio così. Si on attend, se aspettiamo d'avoir l'argent, di avere i soldi pour faire ce qu'on veut faire, per fare quello che vogliamo fare, on risque d'attendre longtemps. Rischiamo di aspettare a lungo. Il faut se mettre en mouvement. Bisogna mettersi in movimento. Il s'agit de se mettre en mouvement. Bisogna mettersi in movimento. Et on trouve les solutions. E si trovano le soluzioni. Très souvent on croit que la solution, molto, molto spesso crediamo che la soluzione c'est de changer de travail, sia cambiare lavoro, de changer de situation familiale, cambiare situazione di famiglia. Mais vous savez ce qui se passe? Ma sapete cosa succede? On change de travail, cambiamo il lavoro, on change de situation, cambiamo le situazioni, et on se retrouve au même point. E ci ritroviamo allo stesso punto. Pourquoi? Perché? Parce qu'on n'a rien compris. Perché non abbiamo capito niente. Si l'argent décide dans ma vie, se i soldi decidono nella mia vita, et que j'attends l'argent, e aspetto i soldi, je ne fais rien. Non faccio nulla. Alors que c'est le contraire qu'il faut faire. Mentre bisogna fare il contrario. C'est en faisant les choses que les choses se font. E facendo le cose che le cose si fanno. C'est toujours a été ma philosophie. È stata sempre la mia filosofia. J'ai toujours dit c'est en faisant les choses que les choses se font. Ho sempre detto è facendo le cose che le cose si fanno. Quand j'ai écrit mon premier livre, quando ho scritto il mio primo libro, il n'y a aucun éditeur qui voulait mon livre. Nessun editore lo voleva. De toute façon, j'ai pas perdu mon temps à courir après, je savais que la réponse était non. E in ogni caso non ho perso tempo a corrergli dietro, sapevo mi avrebbero detto di no. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? E allora cosa ho fatto? Je l'ai imprimé moi-même. L'ho stampato io. Et je le vendais moi-même. E lo vendevo io stessa. Mais finalement, ma il y avait tellement de gens qui le demandaient au libraire. Alla fine poi c'erano così tante persone che lo chiedevano ai librai. Que j'ai eu un distributeur. Che ho avuto un distributore. Qui m'a proposé de le distribuer dans les librairies. Che mi ha proposto di distribuirlo alle librerie. Et aujourd'hui, e oggi, je n'ai plus de problème à avoir d'éditeur. Non ho più problema ad avere degli editori. Quand un ne le veut pas, l'autre le veut. Quando non lo vuole uno, lo vuole l'altro. Mais c'est en faisant les choses que les choses se font. Ma è facendo le cose che le cose si fanno. Imaginez quand j'ai voulu quitter mon travail en microbiologie. Immaginate quando io ho voluto lasciare il mio lavoro in microbiologia. Pensez-vous que mon conjoint était d'accord? Pensate che mio marito fosse d'accordo? Il était loin d'être d'accord. Assolutamente no. Qu'est-ce que ma famille me disait? Cosa mi diceva la mia famiglia? Mais tu es folle! Ma tu sei matta! Tu vas pas laisser un emploi pareil? Non lasciare mica un lavoro così? Pour aller travailler bénévole dans un centre de croissance? Per andare a lavorare volontariamente, farla volontaria in un centro di crescita? Mais t'es tombée sur la tête! Sei caduta sulla testa! T'as perdu le nord et le sud, avec? Hai perso il nord e il sud! J'étais rentrée dans une secte. Io per loro ero entrata in una setta. Mais personne était d'accord. Nessuno era d'accordo. Tout le monde me trouvait, mais t'es folle. Tutti mi dicevano che ero matta. Avoir un emploi pareil, t'as étudié pendant autant d'années pour travailler pour faire la microbiologiste. Mi dicevano, hai studiato così tanti anni per fare la microbiologa. Et tu vas tout laisser. E lasci tutto. Pour aller dans un centre de croissance. Per andare in un centro di crescita. Mais personne m'encourageait. Nessuno mi incoraggiava. Et vous savez quoi? E sapete una cosa? Aujourd'hui. Oggi. Tout le monde me dit. Tutti mi dicono. Brava, Claudia. Là, je suis la brava aujourd'hui. Adesso oggi sono quella brava. Oui, je suis la brava aujourd'hui. Mais si j'avais attendu leur approbation, se avessi aspettato la loro approvazione, je n'aurais jamais rien fait. Non avrei fatto mai nulla. Et j'ai eu le bonheur. E ho avuto la fortuna de faire toujours ce que j'aimais. Di fare sempre quello che amavo. Et j'ai le privilège de travailler. E ho il privilegio di lavorare. Pour le plaisir de ce que je fais. Per il piacere di quello che faccio. C'est un grand privilège. È un grande privilegio.
Mais vous pouvez tous avoir ce privilège. Ma lo potete avere tutti questo privilegio. Mais tant que l'argent sera votre maître. Però finché i soldi saranno il vostro maestro. Vous travaillerez pour l'argent. Lavorerete per i soldi. Mais le jour où vous prendrez la maîtrise. Ma il giorno in cui avrete la padronanza. Et vous allez décider. E deciderete. L'argent ne sera plus mon maître. I soldi non saranno più il mio maestro. Ce qui sera mon maître, il mio maestro c'est ce que moi j'ai envie de faire dans sarà quello che io ho voglia di fare nella mia vita. Vous voyez, en métamédecine, in metamedicina on fait pas de déduction. Non si fa deduzione. Ce qui nous intéresse, c'est la personne. Quello che ci interessa è la persona. Et ce qu'on lui apporte, è quello che le diamo. C'est ce qui va l'aider, elle. Quello che aiuterà lei. Parce que je peux prendre une autre personne. Perché io posso prendere un'altra persona. Celle qui a les beaux cheveux rouges. Una persona con i bei capelli rossi. Elle aussi a levé la main. Anche lei ha alzato la mano. Pour dire qu'elle avait mal à cette région-là. Per dire che aveva male in quella zona. Et bien moi j'aimerais connaître son histoire. Mi piacerebbe sapere la sua storia. Parce que ça peut être complètement différent. Perché può essere completamente diversa. Mais les clés restent les mêmes. Però le chiavi restano le stesse. Ça concerne le financier. Riguarda il lato finanziario. Et le couple. E la coppia. La région lombare. La regione lombare. C'est nos besoins de base. Sono i nostri bisogni di base. Mais ça peut aller avec la sécurité aussi. E può anche andare con la sicurezza. Donc, problème au sacrum. Quindi il problema al sacro. Est-ce un qui peut évoluer aussi vers la lombaire. E se uno che può anche evolvere verso la lombare. Ou vers les lombaires. O verso le lombari. Homme égale sécurité. Uomo uguale sicurezza. Papà, mon fiancé m'apporte une sécurité. Il papà, il fidanzato mi davano una certa sicurezza. Et maintenant je me sens seule. E adesso mi sento sola. Quand on a bien identifié la cause. Quando abbiamo identificato bene la causa. La solution est très souvent dans la cause. La soluzione molto spesso è nella causa. Alors, si je sens que j'ai trop de responsabilité. Se io sento di avere troppe responsabilità. Parce que je ne suis pas bon, épaulée par par quelqu'un, par un proche. Perché non sono abbastanza spalleggiata da qualcuno che mi sta vicino. Se pourrait-il? Può essere que ton corps est en train de te dire. Che il tuo corpo ti stia dicendo. Qu'il faudrait que tu t'enlèves un peu de responsabilité que tu prends sur ton dos. Che dovresti toglierti un po' di responsabilità che ti sei caricata sulla schiena. Pour avoir peut-être plus de temps. Per avere magari un po' più di tempo. Pour retrouver un homme que tu aimerais. Per ritrovare un uomo che tu ameresti. Je ne te dis pas de chercher un homme. Io non ti dico di cercare un uomo che va t'apporter de la sécurité. Che ti porti sicurezza. Je te dis. Io ti dico que ton corps, il te dit. Che il tuo corpo ti dice de relâcher un peu de responsabilité. Di lasciare andare un po' di responsabilità. Pour avoir plus de temps. Per avere più tempo. Pour aimer. Per amare. La métamédecine. La s'intéresse à la personne. Nella metamedicina ci si interessa alla persona. L'aider. Per aiutarla. À comprendre. A capire. La cause. La causa. Et à pouvoir s'en libérer. E a potersene liberare. C'est pourquoi dans mes livres. Ecco perché nei miei libri. Comme ogni sintomo è un messaggio. Come in ogni sintomo un messaggio. Ou encore il grande dizionario della metamedicina. O il grande dizionario. Vous allez retrouver des questions. Voi ritroverete delle domande. Basées sur les clés. Basate sulle chiavi. Pour que vous puissiez vous poser la question. In modo che possiate porvi a voi stessi la domanda. Quelle question je peux me poser par rapport à ce malaise ou cette maladie? Che domanda mi posso fare riguardo a questo malessere, a questa malattia? Ou quelle question est-ce que je peux poser? Oppure che domanda posso fare? A mes proches? Ai miei cari? Ou encore à mes patients si je suis intervenant, consultant ou médecin? Ai miei pazienti se sono un medico, se sono un terapeuta, se sono un consulente?
Parce qu'en posant une question, perché facendo una domanda, ça laisse la personne libre, lascia libera la persona e ça lui permet de retrouver sa cause à elle. E le permette di ritrovare la sua causa. Vous comprenez? Capite? Eh bien, quand on résiste, quando si resiste a comprendre, a capire, a comprendere, la douleur augmente. Il dolore aumenta. Parce qu'on résiste. Perché resistiamo. Mais quand on comprend, ma quando capiamo, eh bien, et qu'on passe à l'action, e passiamo all'azione, il commence déjà à nous enlever la douleur. Inizia già togliendoci il dolore. J'aime beaucoup cette phrase qui dit ceci. Mi piace molto questa frase che dice: ce qu'on ne comprend pas, quello che non capiamo, par la sagesse, con la saggezza, la souffrance se charge de nous l'apprendre. La sofferenza si incarica di insegnarcelo. Alors, si vous comprenez pas les messages de votre corps, e quindi se non capite i messaggi del vostro corpo, la souffrance, la sofferenza, eh bien, elle va vous l'apprendre. Ve lo insegnerà. Mais vous savez cette phrase? Ma sapete questa frase? Eh bien, j'ai ajouté celle-ci. Io ho aggiunto questo a questa frase. Ce qu'on comprend par la sagesse. Quello che comprendiamo con la saggezza. La souffrance n'a pas besoin de nous l'apprendre. La sofferenza non ha bisogno di insegnarcelo. Donc, si maintenant je me mets à l'écoute. Quindi se adesso io mi metto all'ascolto. De mes malaises. Dei miei malesseri. De mes maladies. Delle mie malattie. Je peux m'en libérer. Me ne posso liberare. Je peux m'en libérer complètement. Posso liberarmene completamente. Ça fait plus de 25 ans que je m'auto-guéris. E sono oltre 25 anni che io mi autoguarisco. Et y compris de cancer. Anche da un cancro. Parce qu'un cancer, ça n'arrive pas pour rien. Perché un cancro non arriva così per nulla. Et ce n'est pas parce qu'on est dans ce domaine qu'on n'est pas malade. E non è perché siamo in questo campo che non ci ammaliamo. C'est pas parce qu'on est conscient qu'on vit pas d'émotions. Non è perché siamo consapevoli che non viviamo delle emozioni. Qu'on rencontre pas des situations de souffrance. O che non incontriamo situazioni di sofferenza. On en rencontre pareil. Ne incontriamo lo stesso. La différence. Ma la differenza. C'est que au lieu. E che invece. De rester enlisé dans la souffrance. Di rimanere crogiolarci nella sofferenza. On se sert de nos souffrances. Ci si serve della sofferenza. Comme un tremplin. Come per una rampa di lancio. Voyez-vous, quand on n'est pas conscient. Quando non siamo consapevoli. C'est comme sauter sur une trampoline. È come se saltassimo su un trampolino. Hein? Quand on saute sur la trampoline. Quando si salta sul trampolino. On est toujours au même endroit. Si è sempre nello stesso punto. Quand on est sur une rampe de lancement, quando invece siamo su una rampa di lancio, on fait un saut, si fa un salto, mais elle nous amène plus loin, che ci porta più lontano. C'est la différence en être inconscient. Questa è la differenza fra essere inconsci e être conscient. E consci. Quand j'éveille ma conscience, quando risveglio la mia coscienza, je vais me servir, mi servirò de toutes les situations de souffrance, di tutte le situazioni di sofferenza, pour aller plus loin, per andare più oltre, au niveau de la conscience, a livello della coscienza. Et vous savez ce qui se passe? E sapete cosa succede? Notre conscience, più risvegliamo la nostra coscienza, plus on se rapproche de notre divinité. Più ci avviciniamo alla nostra divinità. Et ça, c'est merveilleux. E questo è meraviglioso. Et plus on atteint des niveaux de bonheur toujours de plus en plus grands. Più raggiungiamo livelli di felicità sempre più alti. Et c'est là qu'on comprend. Ed è lì che capiamo. Que nous ne sommes pas nés pour souffrir. Che non siamo nati per soffrire. Mais pour grandir. Ma per crescere. Grazie. Je vous remercie d'être venu. Grazie di essere venuti. Grazie a Carlos. Et tous ceux qui m'ont invité. Merci à Lydia. Grazie a Lydia. Grazie. Merci Lydia. Et grazie.